Eh bien, bonjour à tous, c'est Draco, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Dark Souls et on va aller tuer les boss directement. Je suis parti au feu. Voilà, j'ai récupéré les 15 fioles d'Estus. Voilà, lui, il faut qu'il me touche. Et là, je suis revenu ici. Donc, c'est parti. Allez, les boss. Finishing. Et sa tribu là, en l'écrasant, il s'est attribué sa force d'électricité. Oh! Voilà, je sais pas ce qu'il va me faire comme attaque là. Je me suis protégé là. Mais il est où? Mais je l'ai pas touché là. Cette attaque. Ça le touche pas, ça le touche pas. Je suis obligé de reprendre ça s'il me fait une attaque en haut. Purée. Allez, tiens. Orlando, je veux plus y être, je veux dégager de cette zone, elle est nulle à chier. Elle est nulle à chier, j'en veux pas, je veux pas de cette zone, elle est nulle. Elle est nulle, 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 nulle. C'est de la merde, c'est de la grosse merde. C'est de la merde, mais pourri, mais putain. Oh tiens. Voilà, y'a que ça qu'à dire, purée, c'est de la merde, c'est de la merde, cette zone, c'est... C'est de la merde, mais à un point de la merde, mais oh là là là, de la merde, c'est tellement de la merde, c'est de la merde, mais à un point de la merde, mais c'est fou, j'en reviens pas à quel point c'est de la merde. Voilà, l'autre il fait son,
son Super Saiyan là, il fait son aura là, je sais même plus comment ça s'appelle Dragon Ball Z, j'ai plus le nom là, bordel. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Lock. Lock. Il y avait un truc ici. Mais il me suit jusqu'à là, mais bien sûr. Voilà, moi je vais aller voir il y a quoi ici. Parce qu'ici il y avait des escaliers. Il y avait une espèce de voilà, de, une. C'est quoi ça? Je me souviens plus. Ça menait où ça? Je me souviens plus. Ah oui, c'est au forgeon. Ok. Donc on va y aller. On va voir où ça mène. Non, mais là, c'est une blague. Ce serait pour prendre le truc sur la carcasse qui est là. Sérieusement? Mais comment? Ça nous amène où si on tombe là? Je sais même pas si on peut. Ou alors il faudrait longer la petite paroi du mur. C'est dingue. Qu'est-ce que je fais? Je cours et je saute pour être sûr. Ah attendez, je vois qu'il y a un petit pont. Ah ouais mais c'est mort. C'est mort pour le pont. C'est mort pour le pont. Donc je cours, je saute. Voilà, allez hop. Grand arc du tueur de dragon, flèche de tueur de dragon. C'est tout? Ah bah c'est nul. Comment on fait pour sortir? Comment on fait pour sortir? Là? Mais purée, mais regardez! Mon coup il loupe, mon coup il loupe! Purée! Toi là? Donc là ça mène. Allez. Allez. Donc attendez. Je me dis, est-ce que je tente de passer en armure ou est-ce que je tente Tom Sawyer là? On y va. Oh là 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 là! Je me rappelle plus là. Je me rappelle plus, j'ai le. Le cerveau. Donc je vais aller reprendre mes fioles. Ça fait un petit aller-retour vite fait. On a tué les boss. Voilà. 9 minutes. Voilà, là, plus de son. Hein. Moi je dis cette cité d'Arlando, ils auraient pas dû la mettre. Alors je sais pas si dans le 1 il y est.
En tout cas, dans le remaster, elle y est. C'est nul, 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 c'est nul. C'est pas ce que j'attends d'un Dark Souls, c'est pas ce que j'attends d'un Dark Souls. C'est pas ce que j'attends d'un Dark Souls, dont là c'est Dark Souls 1. Ok, ok, c'est Dark Souls 1. Ok, d'accord, c'est Dark Souls 1. Ok, ok. Purée, purée. Qu'est-ce que c'est de la daube. Le jeu, faut que tu passes ta vie. Faut que tu passes ta vie dans ce jeu. Faut que tu passes ta vie. Faut que tu passes ta vie dans ce jeu. Pour augmenter toutes les armes, les armures que tu veux augmenter, les trucs, les machins, les bitumes. Réparer là. Voilà, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit toujours la même chose ou pas? Vous avez survécu, impressionnant. Allez, 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 allez. Ouais, impressionnant. Si vous avez besoin de vous reposer, c'est le moment. Après tout, c'est bien ça que servent les feux. Ok, donc toi, pasta. Et on va retourner là où il y a eu le brouillard. Et enfin, là où j'ai battu les boss. Et il y avait deux petits escaliers droite-gauche sur les côtés. On va y aller. On y va. Nul, 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 nul. T'attends 10 piges pour un ascenseur. Là, je regarde mon chronomètre. Je regarde. Je regarde. 20 secondes. 20 secondes. Et encore, le chemin n'est pas fini. 20 secondes. Quand ils comprendront qu'il faut arrêter de faire des jeux énormes. D'ailleurs, vous pouvez voir là-bas sur les escaliers à droite les ronds que ça fait. Quand ils comprendront qu'il faut arrêter de faire des jeux immenses pour qu'ils te font perdre du temps et qu'ils amélioreront, et à la place améliorer l'IA, l'intelligence artificielle des monstres, parce que tourner autour, c'est de la merde. C'est de la merde tourner autour d'un boss, c'est de la merde. Personne veut faire ça. Personne. Moi, ça m'intéresse pas. Ce jeu, il m'intéresse juste parce que c'est Dark Souls 1. Ah, voilà, allez, allez, vas-y, prends-toi plein de fouet parce que j'ai pas d'armure. Et allez, vas-y. Allez, allez, fils de pute de jeu de merde. Fils de pute, va, fils de pute. Fils de pute, je fais Dark Souls 1 parce que j'avais jamais fait un Souls et je me suis dit commencer par le 1, ça va. Mais le 1, tu vois que c'est de la merde. Qu'est-ce que c'est de la merde, j'espère que le 2. Voilà, putain, il me touche, des locks, fils de pute. Putain d'enculé. Regarde-moi ça, tu passes à travers les blocs. Allez, ascenseur, on le prend, c'est parti. Allez, on monte, 10 minutes. Veuillez attendre le terminus de l'ascenseur. Oh, il y a un feu. Et là, il est où? C'est quoi là? On va le prendre, je sais où ça mène. Est-ce que c'est la salle des boss? Ah, en plus il se dépêche. Pour une fois que l'ascenseur il se dépêche et qu'il met pas que ça met pas une longueur de 100 mètres à monter, ça fait plaisir. Voilà, allez, parti. On va par là. On va observer les lieux. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est encore ici là? Qu'est-ce que c'est endroit mal famé encore là? Un mur? Non, pas de mur. Un mur là? Non, de toute façon il y a un feu de l'autre côté. En fait il sert à quoi cet endroit bidon? Il sert à allumer un feu. Ah bon?
C'est que à ça que ça sert. Ah ouais. Et là, c'est quoi? On va ouvrir, hein. En espérant que c'est l'autre porte qui mène à l'extérieur. Eh ben vous savez quoi? Heureusement qu'il y a ça pour rattraper le coup. Vous avez fait un long voyage et traversé bon nombre d'épreuves, noble mort-vivant. Approchez, mon enfant. Donc, bien évidemment, on va faire ça dans les règles de l'art. Pas question de jouer. Oh, chosen undead, I am Guinevere. Oh, je suis la fille du seigneur Gwen et j'ai le titre de princesse solaire. Oh là là là, c'est... J'attends votre venue depuis le jour où la forme de mon père a commencé à décliner. Je vous remets le calice royal. Oui, j'espère que c'est ça qui va nous pouvoir nous permettre d'ouvrir les portes du grand seigneur. Calice royal obtenu le calice. Et je vous en conjure, prenez la succession du seigneur Gwen et héritez du feu qui anime notre monde. Vas-y, donne-moi des feux que je peux mettre 100 fioles d'essus là. Vous pouvez mettre un terme à ce crépuscule interminable et prévenir le sacrifice inutile d'autres morts vivants. Oh oui, super magnifique, c'est de la bombe. Oh oui, oh noble mort vivant. Et redis la même chose, vous avez fait un long voyage. Prêtez serment. Ça va être un serment de quoi encore là? Parlez. J'attends votre venue depuis le jour où la forme de mon père a commencé à décliner. Prêtez serment? Serment, garde de la princesse. Trouvez le serment du garde de la princesse. Renoncez à ce serment et se lier à celui-ci. Mais cette phrase, je la comprendrai jamais cette phrase à moins de regarder sur Google, bordel! Même Google, excusez-moi pour ça. Même Google, ça se peut. C'est quoi renoncer à ce serment et se lier à celui-ci? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça t'apporte quoi? Ça t'apporte des bonus? Ça t'apporte... C'est quoi?
Non. Non. Prête pas serment. Vous pouvez maintenant reprendre votre route, noble mort-vivant. Puisse la lumière du soleil vous nimber jusqu'à la fin des temps. J'aurais voulu la voir de plus près avec plus de lumière. Ah là c'est pas mal là. Là c'est pas mal. Il y a un bon éclairage. Voilà, franchement là c'est voilà, vous voyez, bah c'est ça que j'attends de Dark Souls. C'est ça que j'attends de Dark Souls. Et c'est le 1, 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 c'est le 1. Faut oublier que c'est le 1. Donc le 2, le 3, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas. Vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Parce que c'est le 1, j'avais jamais fait de Dark Souls et je me suis dit je vais commencer par le 1. Et parce que j'avais envie de connaître le 1, comme ça au moins ce sera fait. Le 1 je voulais connaître, parce que si je commence par le 3 direct, voilà. Je voulais connaître le 1 pour savoir comment ça se passe. Mais le 2 et le 3, sachant que c'est des jeux immenses, c'est des jeux en grand, donc je m'attendais pas à ce que le jeu soit aussi grand, aussi immense, donc ça dure longtemps. Donc pour le 2 et le 3 je serai prévenu et donc je ferai les choses autrement pour que ça dure pas une éternité sur ma chaîne à faire des milliards d'épisodes. Et ça c'est clair que ce sera fait autrement, mais carrément différemment, mais totalement quoi. Pour le 2 et le 3 et peut-être pour d'autres jeux de la série des Souls. Donc écoutez tout le monde, c'est génial, c'est super, c'est ça du Souls, voilà. Et donc, j'aurai le calice. Il est où? Ah, j'ai gagné des... Ah bah super, j'ai 3 humanité. Non? Ah non, j'en ai 4. Oui, j'en ai 4. Cool, je vais pouvoir améliorer des feux. Il est où le calice? Le calice à la place du calice. Et il est où? Attendez, elle m'a donné le calice, il est où là? Ah non. Ah oui, voilà, d'accord. Calice d'âme accordé aux morts vivants élus. Oh, c'est de la bombe! Et ça, c'est quoi? Ardent l'embrassement. j'ai un tas de clés. Alors, calice royal remis aux morts vivants élus, destiné à prendre la succession du seigneur Gwen. Cet être d'exception a le pouvoir de se téléporter d'un feu. Oh, oui! Oh! Oh oui! Oh oui, voilà, voilà, vous voyez? Dark Souls, là, là, Dark Souls, ça devient de la bonne. Là, ça devient de la bonne! Cet être d'exception, le pouvoir de se téléporter d'un feu à l'autre. Oui! Oui! Placez ce calice sur l'autel de l'Ichefeu. Offrez-lui des âmes supérieures et la dernière des portes s'ouvrira à vous. Des âmes supérieures? Attendez, attendez, attendez. Dans l'autre épisode, j'ai utilisé des âmes papillons, des âmes de trucs de... C'est ça les âmes nobles, là? Placez ce calice sur l'autel de l'Ichefeu. L'Ichefeu. L'Ichefeu, 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 l'Ichefeu. Ça se trouve où l'Ichefeu déjà? Ça se trouve où l'Ichefeu? Bon. Il faut qu'on trouve un feu. Allez, un feu. On peut l'augmenter ou pas avec le calice. Donc faut des humanités. Donc téléportation. Allez. Sanctuaire de l'Ichefeu, c'est parti. Hop. Let's go. Purée. C'est mon premier Dark Souls. Si j'avais su tout ça dès le début. Eh ben, j'aurais pas perdu de temps pour venir jusqu'ici. Ah ouais, mais remarque, je sais pas. Ah, c'est ça les cheveux. Bah, ça fait tellement longtemps que j'ai oublié c'était quoi les cheveux. Gardien du feu absent, impossible de t'en passer le feu. Comment tu places ce calice ici? Comment tu le places? J'imagine que c'est peut-être à la fontaine derrière là. Ou Ouais, voilà. Attendez. On
on va relire là. C'est ça, c'est ça. Placez ce calice sur l'autel de l'Icheveu. Offrez-lui des âmes supérieures et la dernière des portes s'ouvrira à vous. Placez ce calice sur l'autel de l'Icheveu. L'autel de l'Icheveu. L'autel de l'Icheveu, je pense, c'est ça. Hein. Regardez. Voilà, c'est là. Hein. C'est là. Hein. C'est là. Non, non. Je crois que j'allais tomber. C'est là. Hein. C'est ça, non? Sur le sanctuaire, sur le sanctuaire. Sur le sanctuaire de l'Icheveu. Sur le sanctuaire. On peut passer par là? Si on saute? Non, on peut pas. Ouh, c'est nul, ouh là là, c'est nul, ouh, c'est nul, ouh, c'est la merde, c'est nul, ouh, c'est nul, ouh, c'est nul, ouh. Y'a quoi par là? Ouh là là, ok, ok, et après, ça mène où? L'Icheveu, on est à l'Icheveu, il est où l'hôtel? Ah bah lui il disparaît, il pop et il repop, regardez. Hop, il dépop, il dépop. Ah bah on se fait mal, hein, bien sûr. Purée, je vais relire. Placez ce calice sur l'hôtel de l'Icheveu. Tellement pas de cerveau. Placez ce calice sur l'autel de l'Icheveu. Il est où l'autel? Il peut pas me renseigner. Oh, hello again. And he tells me that he has you to thank. Et il me dit que c'était nous sommes deux de retrouver. Merci du fond du cœur. Il est juste là. Allez donc discuter avec lui. Ok. Hello. Oh bien le bonjour. Content de vous revoir en vie. Et alors? Hello. Oh bien le bonjour, content de vous revoir en vie. Non mais attendez, lui il parle hyper vite. Oh bonjour, j'apprécie l'intérêt que vous portez, vous devriez parler à Maître Logan. Ça vous sera plus utile que de papoter avec moi. H-objet, parlez, H-objet. Ah j'aurais aimé faire un sorcier. J'aurais aimé faire un sorcier. L'hôtel. Il est où l'hôtel? Il est où l'hôtel de l'Icheveu? C'est ça? C'est ça l'hôtel? Moi je vous dis, je vais pas perdre 30 ans. Pas perdre 30 ans. Allez hop! Google! Parce qu'au bout d'un moment. Voilà. Grave. Quelques minutes.
C'est quoi qu'ils disent? Ce jeu, c'est tellement la vieillerie. Placer ce calice sur l'autel de l'Icheveu. Ils croient que j'ai que ça à faire. Dirigez-vous vers l'autel juste devant vous. Montez les marches, puis placez les âmes des quatre seigneurs dans la calice royale. L'autel est situé sous le sanctuaire de l'Icheveu et n'est accessible que par l'intermédiaire de Franc, le chercheur roi. Ah ouais? Placez les âmes des quatre seigneurs. J'ai pas encore les âmes des quatre seigneurs là. Purée, il y a deux trucs. Hôtel de l'Icheveu, description. L'hôtel est situé sous le sanctuaire de l'Icheveu. Sous le sanctuaire de l'Icheveu et n'est accessible. Et n'est accessible que par l'intermédiaire de Franc, le chercheur roi, ou de Kaat, le cherche ténèbres. Une fois en possession du calice royal, il est aussi possible de sauter dans le trou de Frampt pour y accéder. Ah ouais? L'élu doit placer le calice royal sur l'autel pour être en mesure d'obtenir les âmes des seigneurs et le remplir avec pour pouvoir entrer dans le... Dans le... J'ai du mal à lire avec mes yeux. Dans le kiln de la première flamme avant de confronter Gwen. Purée! Faut sauter! Alors là... Jamais t'aurais pu trouver, parce que un hôtel, c'est pas un truc où tu sautes, hein. Franchement, là c'est abusé. Un hôtel, c'est de la bonne roche, soit en granit, soit, vous voyez ce que je veux dire, de la roche noble, et c'est en forme d'hôtel, c'est-à-dire il y a peut-être des bougies, il y a peut-être des trucs, il y a peut-être des machins. Bon, question raconte-toi. Par les cieux, vous avez réussi, vous avez récupéré le calice royal. Ah, j'ai mieux fait de lui parler au lieu de tomber direct. Il m'aura fallu un millier d'années pour vous trouver. C'est vous, c'est bien vous. Et bien sûr que c'est moi. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? Le frérot est tombé malade là. Pardonnez-moi, j'ai du mal à cacher ma joie. Je dois me reprendre. Ah ouais, cache ta joie parce que là, ton odeur de la bouche, je t'assure que ça sent pas bon. Maintenant, nous allons devoir, il est temps d'y aller. Restez calme et laissez-moi faire. Ok. Ah bon? Ok, vas-y. Ah oui, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Non, pas dans sa bouche, c'est le pire endroit d'y aller, non! Ça schmoute, ça schlingue, ça pue, non! Mais bon, c'est pour résoudre tous les problèmes, faut bien passer par ce genre de choses. Voici la chambre de l'Icheveu destinée aux légendaires des pouvoirs de Seigneur Gwen. Oh oui! Maintenant, placez le calice royal sur l'autel. Attendez, on va voir s'il va me dire quelque chose d'autre. Là on tombe. On tombe. Donc comment faire pour aller tout là-bas là? Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et peut-être 10 en haut. Là c'est, on va devoir réunir les 10... Les âmes, je sais pas quoi là. Les âmes des seigneurs. Ah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il doit placer le calice sur l'autel pour être en mesure d'obtenir les âmes des seigneurs. Donc ça veut dire on sera pas obligé de les battre ou de les rencontrer ou de faire tout le trajet pour je sais pas quoi. Et les remplir avec pour pouvoir entrer dans le kiln de la première flamme avant de confronter Gwen. Bah c'est parti hein. Poser calice royal, c'est parti. Cool, de la bombe. Alors ça,
Franchement, j'aurais pu chercher des heures. Et j'ai pas que ça à faire non plus. Ce jeu, ça fait bien trop longtemps qu'il a duré. Ah ouais, c'est... Ok, le calice, il l'a mis dans son trou de balle. C'est pas un calice, un petit verre que tu peux tenir sur toi. Non. C'est le calice de 3 tonnes qui fait 3 mètres de long. Ok, hein, c'est clair et net. Bam ! Rayon de lumière, mon gars ! Si t'es en dessous, ça te loge, ça te chauffe le trou de balle. Oh, c'est de la bombe ! Bam ! Je ramène la lumière partout, moi ! L'obscurité, bam ! Je la défonce ! Bam ! Port du grand seigneur. Allez hop ! Évanouis-toi. Ah ouais, mais là, c'était... Oh là 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 là, ok, on va devoir aller dans toutes les portes des seigneurs là. Oh non, on va devoir. Ah ouais, mais on peut se déplacer avec les feux. Oh oui, on peut se déplacer avec les feux. repos, calice royal, ça fait quoi de repos? Quitter, offrir des armes au calice. Est-ce que j'en ai déjà? Aucune âme du seigneur à offrir. Niveau supérieur. Ok, renforcer arme. Ok. Renforcer armure. Préparer équipement. Ok. Placer sort. Placer sort. Comment ça, placer sort? Ok. Boîte sans fond. Ah, médaille solaire. Et c'est pourquoi ça? Médaille gravée portant le symbole du soleil. Cette distinction honorifique est accordée à ceux qui invoquent le guerrier solaire et atteignent leur objectif. Ce symbole représente le premier-né du seigneur Gwen, qui fut déchu de son titre de dieu avant de disparaître des annales. Toutefois, l'ancien dieu de la guerre veille toujours sur ses guerriers. Ah bah ouais, ça c'est les liaisons d'âme entre les guerriers, ça. Ils font partie du même segment. Redevenir humain. Voix immaculée, garde de la princesse. Bon, écoutez, moi je sais pas ce que ça fait de faire ces compléments circonstanciels de ces, comment ça s'appelle? Voilà, ces voix circonstancielles de serment. Je sais pas à quoi ça sert. Donc, voilà. Et là. Verrouillé par un genre de mécanisme. Ok, donc c'est quand on aura réuni toutes les âmes. Là, c'est marqué quoi? Repos, calice royal. Ok. Bien. En tant que chercheur roi, c'est à moi qu'il incombe de vous expliquer en quoi consiste l'étape suivante. Ok, génial. A mon avis, c'est de rentrer dans les portes. Pour accomplir votre destinée, vous allez devoir remplir le calice royal d'âme puissante. À l'instar de celle de Gwen, peut-être sont dotées d'âmes aussi fortes. À leur nombre, on compte le seigneur des tombes Nito, la sorcière, les quatre rois de la nouvelle Londo, ayant hérité des fragments de l'âme de Gwen, et cite l'écorché, l'ancien confident du seigneur Gwen. Vous aurez besoin de leurs âmes pour alimenter le calice royal. Sommes-nous prêts? Alors, nous allons pouvoir repartir. Ne bougez plus. Ça va trop vite, t'as pas le temps de lire, ça va trop vite! Ah bah ça fait plaisir. Voilà, et qu'est-ce qu'il me redit du coup? Alors, content de vous voir en bonne forme. Une affaire urgente. Alimenter objet. Téléportation. Ah, lui aussi il peut me téléporter.
Qu'est-ce qu'il dit si je me parlais? Les détenteurs de ces âmes n'ont plus leur utilité en ce monde. Qui plus est, certains ont choisi de servir le mal. En tant que serpent originel, je vous demande de les anéantir et de vous emparer de leurs âmes. Ne laissez ni le doute ni la culpabilité trouver votre jugement. Ça c'est exact, si on reparle. Ok, donc téléportation. Maintenant ne bougez plus et détendez-vous. Mais non, mais je veux pas retourner au calice, je veux que tu me téléportes dans les autres feux. Oh purée, il va me ramener au même endroit ou pas? Bon, on va aller au calice. On va localiser. Voilà. Téléportation. Alors. Hôtel solaire. Chambre de la princesse. Tombeau de la lune noire. Mais. C'est pas là que je devais aller, hein. Hôtel solaire. Je sais même pas si Ah bah un Orlando, c'est parti. Voilà, un Orlando. C'est parti. Ah j'espère que ça va me ramener au feu du début. Ah voilà, là, franchement, parce que là j'allais péter un câble. Donc voilà, moi j'ai mes 15. J'avais récupéré des âmes là, non? Âme de Smoog, gagner beaucoup d'âmes. Voilà, allez, gagner beaucoup d'âmes. Moi, je veux gagner beaucoup d'âmes. Ok, donc c'est pas beaucoup d'âmes. Tu tues 3-4 boss à 3000, ça te fait exactement pareil. Donc c'est nul à chier. Est-ce que j'ai d'autres âmes? J'ai des couteaux, j'ai des poneys empoisonnés, des couteaux, des bombes. Des bénéficiaires de divine, j'en ai deux. Ok, comment on les. Comment on les place? Non, pas utiliser. Non, je veux le placer. Comment on fait pour les placer? Non, c'est pas ça. Comment on fait pour le placer? Ok. Voilà. Ça. Une divine sera ici normalement. Voilà, elle est là. Ok, je prends ça. Ça. Et je prends. Bon, l'instant, je prends rien d'autre. Voilà. Ce sera très bien. Donc, c'est parti. Allez. Allons affronter le boss. Ah, peut-être qu'elle a quelque chose à me dire vu que il s'est passé pas mal de mouvements là. Alors, vous avez une révélation? C'est bon signe, j'ai bon espoir pour la suite. Je compte sur vous pour accomplir sa volonté. Renforcer Feu d'Astuce? Ah bah oui hein. Âme de gardien du feu requise pour renforcer feu. Oh non, mais c'est pas possible. Parlez. Avez-vous entendu parler de Sith l'écorché? Confident du Seigneur Gwen, il fut par la suite nommé duc et reçut l'autorisation de poursuivre sa recherche. Aux archives royales, il se plongea dans l'étude des écailles d'immortalité, la seule chose dont il était dépourvu. Mais ses recherches finirent par le rendre fou. Les archives ont fini par devenir un donjon, le théâtre d'expériences sinistres. Aujourd'hui, personne n'oserait s'aventurer du côté des archives inédites du duc. Interdites. Elles surplombent cette province au sommet de la montagne. Mais je vous déconseille de vous en approcher. Pourquoi? Dis-moi plus. Si vous avez de vous reposer, c'est le moment. Ok, dis-moi plus. Ok, tu veux pas m'en dire plus. Donc, tu veux me dire rapprocher. Donc moi, écoutez, je vais aller. On va voir de quoi il en retourne. C'est parti. Non, il va me barrer le barrage.
pas possible, pas possible. Allez, Oust. Combien? Combien? Voilà, 1500. Vous avez vu? 1500. Sachant que les autres, ils donnent 3000. Donc 3 et 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15. Ça donne plus que... que l'âme du seigneur, je sais pas quoi là. Snoog. Hop, c'est parti, on y va. C'est parti, let's go. Je sais pas ce qui nous attend. Qu'est-ce qu'il y a sur les côtés là? Voilà, ça, voilà, vous voyez, ça c'est Dark Souls. Voilà, ça, ça c'est Dark Souls. Ça, les chemins comme ça, moi c'est ça que je m'attendais. Mais c'est le 1, c'est le 1, c'est le 1, on peut comprendre, c'est le 1, on peut comprendre. On peut comprendre, c'est le 1. On peut comprendre, c'est le 1. Oh, oh les dégâts qu'il fait. On sort. Est-ce qu'il sort? Est-ce qu'il sort? Est-ce qu'il sort? Est-ce qu'il sort? Non, il sort pas. Ok, donc je vais pouvoir prendre ça. C'est quoi qui... vous savez quoi, je vais essayer ça. Mais non, mais purée, non! Voilà! Ah bah j'ai cru que je pouvais pas le frapper dans le casque. C'est tout? C'est tout. Oh là 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 là, ça m'a l'air labyrinthique. Voilà. Feu. Let's go. Il y a des trucs à lire ici? On peut casser? C'est ça. Ok. Donc là il y a un feu, c'est cool. Si je m'assois, est-ce que ça sauvegarde ou est-ce que c'est... téléportation. Ok. C'est parti. Donc là c'est quoi? Allez, crochet. Allez, 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 mais tire, mais tire, mais tire. Le mécanisme ne bouge pas? Pourquoi? Ok, peut-être que je suis là en premier. Non! Non! J'ai même pas été à gauche! Ascenseur de... 2000 mètres! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah mais il tire de loin lui, il tire de loin! Là y'a rien, je suis protégé. Il fait mal, il fait mal. Hein.
avant. Un coup en avant. Voilà, c'est pas compliqué. Et c'est lui qui les fait pop à l'infini là. Bon. Lui. Je vais aller direct sur lui. Non, saut en avant, saut en avant, saut en avant. Purée, c'est le truc le plus nul de Dark Souls, ça, bordel. Les dégâts qu'il te fait. Purée, c'est un truc de fou. On va pas péter la table. Oh, je me tire. Mais casse-toi, casse-toi. En prenant la titanite scintillante, j'ai esquivé ses flèches. Mais oui, oui, allez, je la prends, oui, j'ai appuyé 14 000 fois là. Purée, il me reste que 6 flèches d'astuce. Il y a un levier. C'est pas de là que je viens, hein. Non, 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 c'est pas de là que je viens. Ça sert à quoi de les tuer, c'est... Ça sert à quoi de les tuer, y aurait quoi ici? Oh, il y a un mécanisme là. Vous voyez? Attendez. Scintillante. Faut vous dire qu'avec cette titanite scintillante, l'armure de pierre, je vais l'améliorer. Ah, je sais pas si c'est un beau coffre. Voilà. Écoute, merci à toi, Falling Star, parce que c'est toi qui m'as indiqué pour les coffres, et là que j'ai vu que la chaîne elle était de côté, elle partait en freestyle, donc ça qui m'a permis de voir que c'était un faux coffre. Écoute, merci mon gars. Putain, t'es salopard toi. Je sais pas ce qu'il y a d'autre. Allez, allez. On va aller encore plus haut là. Oh, oh, tous les étages. Non, mais c'est une blague là. C'est une blague. Ça va nous amener où ça? Ça va nous amener encore où? Dans quel endroit encore ça? Ouais, et ça c'est quoi? Le mécanisme ne bouge pas? Pourquoi? Oh, il y a un passage! Purée, j'avais pas vu. De la bombe. Donc on va les attaquer de face. Voilà. Et voilà. Tu me laisses tomber un truc là 3000.
Eh bah, vous voyez, tu tues 2-3 ennemis comme ça. Hop. C'est quoi ce bordel? Attendez. Non, pas ça. Pas ça. Pas ça. Purée, c'est la lumière comme il y avait dans la forêt. Je l'avais eu avec mon arbalète de loin. Oh non, mais là, vous voyez, ben là c'est Dark Soul. Là pour moi c'est du Dark Soul. C'est du bon. C'est du Dark Soul. C'est du bon. C'est parti. Je pense que c'est un boss de dingue. Oh purée, site écorché. Il est où? Non mais comment, qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ça? Je peux même pas me toucher. Comment le toucher? Oh, y'a un feu! Depuis quand il y avait un feu ici? On est où là? Mais. Non, mais enfin, mais. C'est dingue qu'il nous ait mis là! On peut pas sortir? Des comptes. On est bloqué. Oh purée, faut se téléporter. Ce feu est isolé des autres, impossible. Non mais c'est une blague là. On a le calice, on est l'élu des élus, de tous les élus. Et simplement parce qu'on est dans une petite pièce fermée. Oh. On peut pas passer. On peut pas passer. Quoi, au hasard, il y a quelqu'un qui va nous laisser tomber une clé Non mais attendez, je sais pas si vous vous rendez compte. Verrouillé, bloqué de l'autre côté. Mais comment ils ont pu faire ça? Comment ils ont pu faire ça? Comment ils ont pu faire ça? Ah, y'a un faux mur? Purée, y'a peut-être un faux mur. Apparemment pas de faux mur. Téléportation. Ce feu est isolé des autres, impossible de se téléporter. Non mais là c'est... Non mais Y'a pas de mots. On est bloqué ici, regardez. Ce feu est isolé des autres, impossible de se téléporter.
Y a pas de mots. 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 Ouvrir. Verrouiller. Verrouiller. Mais comment verrouiller? Par qui? Par quoi? Oh là 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 là! Purée! Je m'en fiche, je vais ouvrir la porte. Allez, bam, j'ouvre la porte. Ah oui, mais j'ai eu la clé du cachot là. Bon, écoutez tout le monde. On a une porte de sortie. Donc écoutez tout le monde. Ah, attendez, j'ai vu un truc bouger. Non, mais non. C'est quoi ça? Non, je savais pas que ça allait enchaîner sur le cinématique. J'ai vu un truc bouger. Mais de mieux en mieux. Mais allez-y. Mais de mieux en mieux. Mais bien sûr. Ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils sont peut-être 10. Bon, si on va là, ils nous font rien. On peut fermer la porte? Voilà. Allez hop, comme ça on est bien là. Comme ça on est bien. Ok, 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 ok. Donc, ok tout le monde. On s'arrête là. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis bye bye. Et à la prochaine, la musique, elle déchire. La musique déchire. Là, c'est du Dark Soul, ok, là on est bon, là on est dans du Dark Soul, c'est du bon. Donc écoutez tout le monde, je vous souhaite le meilleur, je vous dis bye bye, à la prochaine. Salut tout le monde, bye, on se retrouvera ici, je quitte pas. Et on va voir où ça nous a emmené, le fait d'avoir perdu contre le... Contre... Mais comment vous voulez le vaincre? Il est à 10 km de nous, on peut pas le toucher. On peut pas le toucher, comment? Est-ce qu'à un moment il s'approche? Est-ce qu'il fait que dans cette structure de glace qui nous enlève toute notre barre de vie? C'est incroyable. Donc écoutez tout le monde, salut tout le monde, bye. Ah, j'ai écouté la musique, c'est vraiment top, c'est vraiment bon. La musique a été soigneusement choisie pour aller avec l'ambiance du lieu, avec certaines parois de glace, etc. On sent dans la musique, on sent le froid, on sent la glace, on sent le... Oh là là, c'est du bon. Écoutez tout le monde. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis bye bye à la prochaine. Salut tout le monde, bye.
Ah non, mais cette musique, mais elle est trop bien. J'ai envie de méditer dessus. J'ai envie de méditer dessus. Ah ouais, mais du coup, maintenant qu'on a ouvert la porte, je peux se téléporter. Ok, d'accord. On peut pas. Et si j'ouvre la porte? Et si je m'assois? Ok, d'accord, donc c'est un endroit vraiment vraiment space. Je referme, sire. Mais si. Salut tout le monde, bye. Ah bah lui, j'ai ouvert la porte, à peine il est venu direct là. Ah, ils font leur tour, hein, comme de mon petit clébard, hein. C'est comme dans vous avez trouvé. Salut tout le monde, bye. Oh, cette musique. Non mais je... Franchement, vous voyez, là, depuis que je suis à Orlando, cette musique, c'est la meilleure que j'ai entendue pour l'instant. Et peut-être même de tout le jeu. Elle est vraiment spéciale, elle est vraiment associée au lieu, au décor, à l'ambiance. C'est de la bombe, mais c'est... Franchement, ils ont trop bien choisi. Ils ont trop bien choisi la musique. Je sais pas c'est qui fait la musique, mais c'est de la bombe. C'est trop de la bombe. Salut tout le monde, bye.